j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo photo shooting. Donc je vous parle en mode vlog parce que j'ai la flemme de mettre mon appareil sur mon trépied pour quelques minutes d'introduction. Donc je fais comme ça parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo shooting. Donc là je vais partir dans quelques heures dans Bordeaux avec ma cousine et des copines à elle à qui j'ai demandé si ça les intéressait un shooting avec une sorte de thème, on va dire. Je voulais faire quelque chose un petit peu street photographie, urban, etc. Donc on va aller à Darwin, au hangar Darwin à Bordeaux, si vous connaissez, si vous êtes de Bordeaux. Donc comment vous expliquer, c'est une vieille caserne de pompiers réaménagée en plusieurs hangars. Il y a des expositions tout au long de l'année. Il y a un petit restaurant et un petit magasin bio. Et il y a plusieurs skateparks dans les différents hangars réalisés avec des matériaux recyclés. Il me semble que c'est très, très écosystème, très recyclage, voilà. Et il y a pas mal de petits coins avec plein de graffitis. C'est hyper beau, enfin, j'aime bien l'idée moi. Il y a des vieux canapés, il y a des vieux meubles, etc. qui traînent, et du coup je trouve ça plutôt cool. Donc on va aller faire des photos là-bas, voir ce qu'on peut faire. Et c'est parti, je vais préparer tout ce dont j'ai besoin. Donc du coup au niveau du matos, on va dire, je vais emmener quelques produits de maquillage parce que donc j'ai pas forcément donné trop d'instructions aux filles pour le make-up. Et du coup après je prends mon autre objectif, donc c'est un 18-55 et des cartes mémoire, même si techniquement j'aurai assez avec celle-ci, mais on sait jamais. On se retrouve en voix off. Je sais pas trop si elle va servir à quelque chose parce que j'avoue que j'aime beaucoup la vidéo telle qu'elle est, juste en musique. Mais bon, je me suis dit que j'allais caler ma voix à quelques endroits histoire de donner quelques petites précisions. Donc en arrivant à Darwin, on a commencé avec Zoé. On a trouvé un petit mur avec des tags qui nous plaisaient pas mal et on a fait un truc assez simple qui jouait pas mal dans la posture. Ensuite pour Roxane, j'aimais beaucoup le style de ses vêtements, comment elle s'est habillée, très street et tout ça. Donc j'ai utilisé les escaliers avec Roxane et je voulais faire un truc un petit peu en mode grand angle. Donc là j'ai ressorti mon ancien objectif, le 18-50, et j'aime vraiment trop le résultat. Ensuite il y avait une moto, une bécane magnifique. Donc on a utilisé cette moto pour faire quelques petites photos. Ça y avait beaucoup de haut et le résultat aussi est trop canon. Après on a voulu faire une photo de groupe sur les escaliers et pareil j'aime bien le résultat, ça fait un petit peu en mode grand angle et j'aime beaucoup le résultat avec les 6 petites têtes qui étaient avec moi. Ensuite pour Chloé, on est allé dans un spot avec beaucoup de verdure qui est montée au mur et tout ça. Et je trouve ça vraiment stylé comme endroit. Ensuite on est rentré dans un hangar où il y avait un skatepark et il y avait un bout de tramway dans le skatepark. Et je trouve ça grave stylé, donc pareil on a fait quelques petites photos. Et il y avait des vieilles machines de jeu, je sais même plus comment on appelait ça, ces machines de jeu comme ça. Mais je trouvais ça vraiment cool, j'aimais beaucoup l'univers. Et du coup, on a fait ça avec Ophélie et je trouvais que ça lui allait trop bien ce style. Essaye de mettre un peu de profil. Ensuite, Roxane a voulu faire des photos un peu plus sexy, on va dire, avec une chemise un petit peu ouverte. Et le résultat était canonissime. Donc voilà, j'ai pas beaucoup d'explications en fait dans cette vidéo, donc je sais même pas si cette voix off va servir à quelque chose. Maintenant je vous laisse avec quelques autres photos qu'on a faites au cours de cette journée. Vous pouvez retrouver toutes ces photos et bien plus sur mon compte Instagram pixbyelfie qui sera à la fin de la vidéo et en barre d'infos. Moi je vous laisse, je vous fais des bisous, il y a un bêtisier à la fin de la vidéo qui est hilarant. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à liker cette vidéo et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bonsoir à tous, c'est le making of. C'est le bêtisier de l'année de 2020. Voilà, du coup, abonnez-vous. Abonnez-vous.
Oh frère, tu vois pas ta contre-jour? Je vois même pas mon visage. Donc du coup là nous sommes en train de faire un shooting photo, voilà. Ben j'essaye de faire un petit vlog. C'est pas comme ça. Tout le gang. Vous avez pas vu le TikTok où ils font ça? Il y a des choses qui passent comme ça dans les vidéos. Pas trop. Voilà. Quel est con.